Waouh, les amis, c'est dingue. Regardez, regardez le ticket. Le ticket. C'est ça, c'est dingue. Regardez le ticket. Ça, c'est le ticket d'entrée. Le ticket, il est. Je peux même pas bien filmer. Regardez, je suis obligé de m'éloigner, de tendre vraiment le bras. Le ticket, il est énorme. Regardez, ça, c'est le ticket d'entrée. Et après, il y a une dame qui vient me donner. Donc, ça, j'avais déjà vu le jardin. Bon, il y a un jardin sur... magnifique à droite et à gauche. Et donc, en gros, ça, c'est le chemin pour arriver jusqu'au pavillon. Mais regardez. Et donc, vous avez une explication qu'on vous donne. Voilà, c'est magnifique. Donc, on peut passer par la droite, à gauche. Alors, à droite, si on va à droite, on atterrit directement par le pavillon. Ah ouais, c'est dingue, il est juste en face. Oh, c'est là, il est juste là. On peut pas passer par là. Ils ont bloqué le chemin, donc en fait, on est obligé de suivre. Ils ont fait exprès, je pense. Du coup, on va suivre le chemin. Wow, c'est dingue. C'est dingue. Le ticket, il est énorme. Je vais garder ça à vie, les amis. À vie, toujours, je rêverai plein. Grand jardin. Et vous voyez, donc après, je sais que, encore une fois, moi, je vous conseille pas de venir comme moi. Moi, c'est parce que j'habite à Tokyo. Je viens de Tokyo exprès pour revenir dans le Kansai. Franchement, c'est trop con ce que j'ai fait, dans le sens où j'avais 7 jours ici et j'aurais pu faire ça dans les 7 jours, mais il y avait tellement d'autres choses en même temps à faire. Regardez le nombre de gens qui prennent des photos du pavillon. Je crois qu'on peut même pas s'en approcher. Je sais pas si on peut s'en approcher. Le pavillon recouvert dedans. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est exactement ce que j'ai vu en vidéo. C'est la même chose. Regardez. Je vous le montre. Je vais essayer de me faufiler. Il est là. Regardez. Le pavillon. Il est là. Tu fonces, regarde même pas. Waouh, c'est incroyable. Faut que je prenne des photos, les amis. Regardez le pavillon. Donc, je savais qu'à un moment ou à l'autre, il y a un couillon qui allait se prendre un coup de coude. Ça va aller. Voilà. J'ai mis mon coup de coude de la journée. Je suis content. Désolé, désolé. Bien sûr, c'est de l'humour, les amis. On rigole, on rigole. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de s'échapper de cette marée humaine. C'est incroyable. Le pavillon, c'est énorme. Là, tout le monde va prendre des photos, c'est normal. Il y a énormément de gens. Oh, déjà, il fait super chaud, les amis. On se croirait au mois de juillet. C'est un truc de fou, on est au mois d'avril. Et les gens, voilà. Donc vraiment s'en approcher, regardez, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, je vous le remontre encore. Donc voilà, c'est pour ça que les gens viennent jusqu'ici, le pavillon. Le pavillon d'or. Et là il y a l'espèce d'étang qui donne sur un étang, magnifique étang. C'est énorme. Et là bien sûr il y a une autre partie du bâtiment du temple. Donc nous, on va essayer de se mettre à l'ombre déjà parce que c'est très très chaud, ça chauffe vite. Ça chauffe vite le crâne et ça me fait c'est mini. Mal de crâne. Vous avez des petites poubelles et tout, je crois, ici. Voilà. Donc on va essayer de s'en approcher de ce fameux pavillon. En tout cas, voilà. Donc le premier site, le Fushimi Inori. Fushimi Inori, si je prononce bien, c'est le premier site vraiment que vous devez faire. Allez-y tôt pour partir tôt. Magnifique, hein, c'est vraiment magnifique ici. Allez-y tôt et venez ici aussi tôt. Même, limite ne le faites pas le même jour comme moi. Moi c'est parce que je vous ai dit j'habite loin là, j'ai pas trop le choix. Mais regardez ça. Wow. De toute façon les temples ils sont plus beaux les uns que les autres. Hein. Mais celui-là il est particulièrement beau. C'est incroyable. Voilà les amis. Encore une fois si vous venez dans la région du Kansai, ne loupez pas cette destination. Surtout pour voir le ticket, il est énorme. Le ticket, juste pour le ticket déjà c'est bien. Et après bien sûr. Donc je vous le remontre. Là, on traverse un peu des arbres. Là. On va s'en approcher, vous allez le voir. Après, je crois que je sais pas s'il faut payer encore en plus pour rentrer à l'intérieur. Mais bon, c'est ce qui est un peu chiant, c'est-à-dire qu'en gros, tu payes ton bus, tu payes ton transport, après tu payes l'entrée du truc. Alors, je suis genre, t'as une famille, t'as 8 gosses, t'es mort. T'es mort. Je te le dis direct.
Moi je suis tout seul, ça va. Et quelqu'un qui vient avec sa famille au Japon, il repart en slip, hein. Il repart en slip. Il est foutu. Financièrement, c'est un gouffre. C'est un gouffre financier, le Japon. Faut le savoir. Surtout que moi, c'est la première fois. Donc je me suis quand même pas mal lâché. Mais c'est incroyable. Donc on s'approche. On va être tout près. Pavillon d'or. Ça y est, je suis tout prêt. Je suis tout prêt. Regardez, c'est incroyable. Donc, vous avez le truc pour faire la prière. Petite inscription. Et là, je vous le mets. Oh, c'est incroyable. Je vais essayer de vous zoomer un peu et vous montrer. Voilà le pavillon. Il y a du monde de partout. Après, je sais pas si on a. Je pense qu'il vous bloque. Il vous bloque devant. Donc on va continuer. Continuer à avancer un petit peu. Oh, c'est incroyable. Je vous filme sous tous les angles. C'est vraiment incroyable. On va pas gêner. Les gens prennent des photos devant. On va essayer de prendre une photo aussi devant, forcément. C'est incroyable. Voilà. Voilà les amis, le pavillon, c'est incroyable, énorme, fallait le voir en vrai. Donc voilà, sur les deux étages, la structure est là, énorme. Voilà, je vais prendre des photos et on va se laisser là, je vais prendre des photos, ça tue. C'est vraiment un très bel endroit, c'est original, vraiment. Et puis nous, on se revoit pour plus tard, pour la suite de nos aventures. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, les amis.